Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Bouddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Tout de suite, l'agenda du mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, Denshen Shaolin propose différents événements. Tout d'abord, du 2 au 4 octobre, aura lieu une retraite Shiatsu sur le don de guérir. Il s'agit d'un stage de remise en forme et de familiarisation avec les gestes de rééquilibrage énergétique organisés par Philippe Ronce. Du 2 au 4 octobre également, Tessa Racine vous propose un week-end de méditation afin d'apprendre à apprivoiser vos émotions telles que la colère, la jalousie ou la peur. La semaine du 4 au 10 octobre se déroulera autour d'une retraite d'éveil d'art basée sur les enseignements de la clarté et de la bonté bouddhiste, le courage, l'audace et la confiance des enseignements Shambhala. Le week-end du 9 au 11 octobre sera consacré aux cadeaux. Un art créatif et méditatif autant qu'une danse entre la nature, l'espace et l'essence. Le cadeau est également appelé la voie des fleurs. Les outils du bien-être vous seront ensuite donnés du 10 au 18 octobre. Il s'agit d'une retraite de 7 jours où pratiques et enseignements de la réduction du stress par la pleine conscience se succéderont grâce à l'apprentissage des 4 fondations de cette pleine conscience. Du 21 au 23 octobre, Samten Kobelt apprendra aux débutants du Qigong traditionnel chinois, niveau 1 et 2, comment cultiver un corps sain et un esprit clair par la pratique du Qigong taoïste. Les personnes de niveau 3, avancé, pourront le pratiquer du 23 au 25 octobre. Du 25 octobre au 1er novembre, il vous sera recommandé de lâcher prise et de sourire. Simon Lahaye dirigera une retraite incluant des enseignements, instructions de méditation assise et marchée, des exercices guidés, des moments de silence et des périodes d'échange ou d'appréciation du cadre naturel du centre. Aux mêmes dates, une retraite concernant les voies du corps et l'improvisation en groupe sera animée par Dorothea Gateke et Muriel Elyséon. Pendant ce temps, au temple Shadorla, vous pourrez assister à un enseignement sur les 11 facteurs mentaux bénéfiques le 11 octobre. Il vous sera également possible de participer à un stage de mandala pour faire la paix en vous et autour de vous. Celui-ci se déroulera à Bourges du 23 au 25 octobre et sera organisé par Harmonie Croissance. Les 24 et 25 octobre seront sous le signe de la méditation chez les Rabling, afin de vous permettre de devenir familier avec votre propre esprit, de faire la paix avec lui et d'en découvrir la nature profonde de sagesse et de compassion. Ce même les Rabling propose également une méditation en famille le 31 octobre. Il s'agit de pratiquer ensemble, lors de courtes séances, des exercices de méditation et de pleine conscience et de participer à des ateliers d'expression et de créativité en plein air avec des jeux coopératifs. Dogen Sangha, de son côté, organise sa prochaine Séchine dans la chartreuse Pierre Châtel du 28 octobre au 1er novembre 2015. Enfin, la montagne sans sommet, quant à elle, reprend les méditations Zazen tous les dimanches à partir de 19h. Nous avons le plaisir de vous faire part de l'ouverture d'un nouveau centre, la Sanghe Shaolin, dans le Loir-et-Cher à Saint-Martin-des-Bois. Dans les locaux de l'association La Petite Pommeraie et sous la direction spirituelle de son éminence Bazaguru Rinpoche, le centre Sanghe Shaolin est un lieu paisible, ouvert à tous et propice à toutes les méditations. Le but, que chacun puisse découvrir l'éveil selon les enseignements authentiques de la lignée Peling du Bhoutan. Ce centre a pour but de devenir un site d'échange où tout le monde pourra se familiariser avec la culture bhoutanaise. Possibilité de réservation tout au long de l'année, même pour un simple ressourcement. Pour plus d'informations sur la Sanghe Shaolin, rendez-vous sur le lien qui s'affiche sur votre écran ou rendez-vous dans la rubrique annuaire de Bouddha Channel. Comme disent les Indonésiens en joignant les mains, Selamat pagi. Cela veut dire bonjour en Bahasa indonésienne.
Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble un des plus beaux fleurons de l'architecture bouddhiste. Nous sommes en Indonésie, près de la ville de Yogyakarta, et le nom de cette ville signifie l'œuvre d'Ayodhya. Ayodhya, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le royaume d'Ayodhya, dont Rama devint le roi dans l'épopée, la grande épopée hindouiste du Ramayana. Nous sommes donc en pleine culture indienne, au cœur de l'Indonésie, signe des migrations qui eurent lieu entre l'Inde et ce chapelet que sont les îles de la Sonde, qui vont jusque en Océanie. Et quand l'hindouisme est présent, eh bien le bouddhisme suit en contrepoint, toujours, il n'est pas loin. C'est ainsi qu'au 8e et 9e siècle, sous la dynastie Shalendra, Borobudur naquit avec une telle puissance d'intention et de foi qu'il devint le deuxième plus grand temple bouddhiste dans le monde après Angkor Wat au Cambodge. Cette incroyable et immense construction bouddhiste fut abandonnée vers l'an 1100. Bref, il servit de lieu de culte pendant seulement 200 ou 250 ans. C'est en fait en 1814 qu'un militaire hollandais redécouvre ce lieu profondément enfoui sous une forêt dense. Borobudur, la merveille des merveilles d'Asie, fut pour moi un choc dans les années 70. Il se dégradait énormément étant sur un sol instable. Ce temple, de nos jours classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO, fut restauré, mais il reste très fragile malgré son imposante masse. Son architecture est totalement novatrice. Pas une pièce intérieure, pas un autel à l'écart. Il est l'expression la plus pure d'un art abouti, un simple stupa, mais aux dimensions gigantesques. Il représente le mont Meru, qui en Inde est l'axe du monde, sur lequel le monde s'est construit. On est totalement dans le rappel des textes fondateurs de l'Inde, de la création du monde avec ce mont Meru, simple axe, qui plonge dans l'océan de lait et qui va être mis en rotation par les combats des Uras et des Asuras, le combat des dieux et des demi-dieux, ce qui va créer le barattage des océans, au point de faire émerger les terres sur lesquelles les hommes vont pouvoir vivre. N'oublions pas qu'à quelques kilomètres de Borobudur, le grand temple hindouiste de Prambanan, construit lui aussi au 9e siècle, est dédié à l'épouse de Shiva et relate sur ses fresques le combat entre le bien et le mal et celui entre les Suras et les Asuras. À 20 km de distance, les deux constructions se sont influencées, mêlant hindouisme et bouddhisme. Mais contrairement à Prambanan, avec son exubérance très indienne et ses bâtiments ouvragés, la réponse bouddhiste, par sa simplicité et sa pureté, est d'autant plus marquante, comme une vraie vision de l'essentiel. Culturellement parlant, et toute proportion gardée, c'est comme si, à l'époque des cathédrales, ils avaient bâti la tour Eiffel. Il fallait vraiment être avant-gardiste et visionnaire. Ils auraient pu faire un stupa avec beaucoup de décorations pour lutter contre le prestige de Prambanan. Non, ils sont restés dans une pureté inédite et qui ne sera jamais égalée pour un monument si gigantesque. On est dans la pureté des pyramides à degré d'Égypte comme à Saqqara. Le temple de Borobudur est à la fois un stupa et un mandala. C'est-à-dire que quand on le regarde au sol, c'est un stupa. Si on le voit du ciel, c'est un mandala qui s'étire vers le ciel. Les premiers degrés sont donc des carrés, et plus le pèlerin monte en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme tous les pèlerins bouddhistes, plus il arrive à des cercles concentriques, pour finir au sommet sur un stupa, plus petit bien sûr, vide à l'intérieur. Et ce vide représente la vacuité du dharma. Tout autour, les fresques des premiers niveaux montrent la vie au quotidien, et plus le pèlerin monte, plus son esprit et son cœur montent vers la pureté, la bouddhéité. Il est constitué de 4 galeries successives de formes géométriques. Celles-ci sont superposées et les 3 plus hautes forment
une représentation de la cosmologie bouddhiste. Tout au long de ces galeries qui tournent autour du stupa, il y a des bas-reliefs dont la longueur totale est d'environ 5 km, relatant les différents épisodes de la vie du Bouddha Sakyamuni. Ces bas-reliefs furent taillés in situ dans la pierre volcanique grise par différents artisans qui réussirent néanmoins à préserver l'unité artistique du monument alors que ce travail s'est fait sur plus d'un siècle. Un élément étonnant de ces galeries est l'existence d'une cinquième galerie enterrée, également couverte de bas-reliefs représentant essentiellement les turpitudes de la vie terrestre. Plusieurs hypothèses ont donc été émises pour expliquer la dissimulation de cette galerie comme une volonté de consolidation du bâtiment ou comme la volonté délibérée d'occulter les réalités terrestres. Après avoir traversé les quatre galeries, le pèlerin atteint en finale la terrasse supérieure, surmontée de trois terrasses circulaires concentriques avec 72 stupas. Ils consistent en des cloches de pierre ajourées logeant les bodhisattvas. Au centre de ces terrasses et donc au sommet du Borobudur, un autre stupa couvrant un Bouddha inachevé, dont on ignore s'il a été rajouté après coup ou s'il était présent à l'origine. Borobudur est le joyau parfait du bouddhisme. Construit en plus d'un siècle, il reste l'édifice visionnaire depuis cette époque, le mandala parfait aux trois dimensions, devant, sur les côtés, verticales. Que peut-on dire de Dieu ou de l'absolu? Qui sont Bouddha et Jésus? Quel est l'essentiel de leur message? Qu'est-ce que l'homme et quel est le sens de sa vie? Le bonheur est-il le but ultime de la vie humaine? Comment expliquer le mal? Y a-t-il quelque chose après la mort? Comment prier et comment méditer? En quoi consiste le salut chrétien et le salut bouddhiste? Quels sont les points communs et les divergences essentielles entre ces deux grandes voies spirituelles? Des questions passionnantes sur le mystère de la vie et la destinée humaine auxquelles tentent de répondre deux maîtres spirituels bouddhistes et chrétiens, fortement enracinés dans leurs traditions respectives. Suite à la sortie de leur livre, Le Moine et le Lama, aux éditions LGF, le lama Jigme Rinpoche et Mgr Le Gall ont donné une conférence à la mairie du 16e arrondissement sur le thème des similitudes et des divergences entre le christianisme et le bouddhisme. Intégralement reprise en français sur notre DVD, Le Moine et le Lama, cette conférence est organisée par le sociologue et historien des religions, Frédéric Lenoir. Un dialogue inédit entre un moine bénédictin et un lama tibétain qui permet de beaucoup mieux connaître, en des termes accessibles à des non-initiés, la profondeur spirituelle du catholicisme et du bouddhisme tibétain. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique boutique de Bouddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Exceptionnellement, ce DVD de 15 euros sera à 9 euros si vous le commandez avant la fin du mois. Pour cela, passez par le mail info@buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de novembre. En attendant, retrouvez-nous sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.